chose à acheter. Merci, tiens-toi. Va voir la dame. Tu vas voir la dame. Tu lui dis, madame, bonjour. Que vendez-vous? Que voulez-vous acheter? Simple. Alors, qu'est-ce qu'elle vend? Ben, ça, on a. Hein. Ah, tu vends pas grand-chose, madame. La tarte au crocet. Vin fin vieilli. Ouais. Pff, acheter du vin? Allez. Ça fera toujours plaisir aux colons. Contre quoi? J'ai plus de tarte au crocet, ils ont tout bouffé. D'accord. Chèvre, chèvre. Non, je vais pas vendre mes chèvres quand même. Moi, peut-être chèvre. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Ça lui va pas. Je sais pas quoi vendre. Rempailler. Wow. J'ai dit que j'en ai pas mes chèvres. Ça me fait mal au cœur. Hey, c'est quoi ce vin qu'elle vend qu'il va me coûter la peau des fesses? Ah, attends, c'était bon. Allez, acceptons. Voilà. D'accord. Ben, on est bien là. On est bien. On n'a pas toujours pas de nouveaux colons, mais bon. Tout est prêt pour les accueillir. Hein? Parce que là, du coup, je vais déplacer la réserve. On va le faire tout de suite. Ouais, on va mettre un toit sur la grange quand même. C'est mieux. Un toit, un toit, un toit, un toit. Chaume. Ça, c'est bien. On va mettre un toit comme ça. Hop, voilà. Hop. Si, il y a un truc qu'il faudrait que je mette, c'est un brasero. Parce que quand il va faire froid, hop, ils seront mieux à l'auberge. On fait le dodo. Elle part pas, hein, la marchande. Elle se dit qu'on va encore lui acheter des trucs. Mais t'as rien qui m'intéresse, en fait. T'aurais vu un cerisier, tu vois des trucs bien, mais non. Donc, nouvelle saison, ah ben c'est l'automne, ça y est. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Pluie, brouillard fréquent, probabilité d'orage et de tempête de grêle. Sympa, on en a déjà eu, merci. Ah, là ils vont attaquer le toit.
J'attends qu'ils attaquent le toit. Et quand le toit est fait, je pourrais déplacer la réserve et faire de l'ancienne réserve une maison. Enfin, je rajoute des fenêtres quand même. C'est la rose, d'accord. Alors, on va faire une fenêtre. Non, il faut que je monte le mur. Ça, c'est un peu relou, hein. Ça. Et là. Hop, voilà, trois fenêtres, c'est bien trois fenêtres. Hop, fenêtre en bois, bah oui, du coup. Et hop. Je pense qu'il y a assez de bois. Bah oui, j'ai cassé du bois, donc il doit y avoir assez de bois. Alors, ils sont toujours à faire le toit. Eh bien, on va faire la réserve de nourriture ici. Alors, la porte est là. C'est bien, on prend bien tout. Ça, non, oui, non, oui, non, non. Oui, non, et non. Voilà. Et du coup, il faut que je déplace aussi l'étape de métier là. Repositionner. Non, alors j'ai dit repositionner, c'est pas pour que tu te. Pourquoi ça veut. Ça veut pas me. Je sais pas où il va me le mettre. J'annule. Non, je vais le mettre ici. Compliqué par moment, hein. J'ai que ça. Hein. Va manger le chou, le chat. C'est pas le chlapin de Goldarius quand même. J'ai pas mal de dégâts en fait dans le champ de chou. J'ai plus assez de graines. Alors je vais peut-être faire ça comme ça, pour récupérer des graines. Bon. Est-ce que ça, je peux aussi. Alors ça m'énerve, putain. Alors on allume et on recommence. Repositionner. Voilà. Ça. Positionner. Hop, voilà. Là, on est bien. Tac. C'est pas les chroniques que je veux, c'est ça. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont tout me vider? J'espère. Comme ça, je pourrais déplacer. Non, je ne vais pas déplacer des lits, je vais en rajouter.
Ça attirera peut-être de nouveaux colons. On va voir. Il est vide? Ouais, il est vide. Et l'autre, il est toujours blessé, hein? Et il s'est pas dit qu'il allait aller se soigner, hein? Il est complètement débile, le mec. C'est incroyable, ça. Mais elle va t'allonger, Marie, elle va te soigner. Elle sait faire. Est-ce que ça irait plus vite si je le... Ah, tu peux étendre la zone, réduire la zone. J'avais pas vu tout ça. Alors, je sais pas si je fais ça, c'est... Ouais, on va essayer. Oui, bah, ça l'a démoli, du coup. Ouais, on va peut-être aller vider plus vite. Hein. Oh, il y en a de partout. Je sais pas si elle est assez grande dans ma réserve. Hein. Alors, je peux l'étendre. Oui. Comment tu fais? Comme ça. D'accord. Ok. Rajoute un. Tu vois? Voilà. Rajouter des étagères, les étagères c'est bien. Comme ça. Qu'est-ce qui manque du bois? Oui, ben ça c'est pas un problème. Hein. Abattre des arbres, on sait faire. Évite bien, c'est cool. Allez, on se dépêche. Que je puisse commencer à mettre un lit. Mais ils n'ont pas mis de fenêtre encore. Ouais. Manque de bois, je crois, de toute façon. Ça, ils sont censés aller à côté des graines. Tiens, il est trop bouché là. Je pense qu'il me reste de la terre. C'est là qu'il me reste plus. Ah! Non, il me reste plus. Si, c'est la terre ça. Attends. Ouais, c'est la terre. Il fait que pleuvoir. Il faut aller dormir bientôt. Oh là 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 là! Est-ce qu'on arrivera à tout faire? Oh là là! Les chèvres, elles sont à l'abri pour l'hiver, ça c'est cool. Les étagères, c'est mieux qu'au sol quand même. J'aurais peut-être plus dû... Alors, je peux le faire. Réduire la zone. Glisser le rectangle. Comme ça. Ouais. On va mettre des étagères là. Parce que j'ai l'impression que t'en mets plus sur les étagères.
réduire encore. Comme ça. Hop. Je mettrai plus des étagères. On va essayer, on va voir hein, si c'est mieux ou pas. Elles ont toujours pas fait de bébé, mes chèvres. Tiens, elles sont en train de faire des bébés quand même. Elles doivent pas être au top. Osmond, il est toujours blessé. Non, ça va mieux. Bon. Ah, Marie est au champ. Oui, d'accord. Ah, il a planté des carottes. Oui, c'est les carottes. C'est les betteraves que j'ai voulu déplacer. Alors du coup, c'est les carottes que je vais mettre à côté. Petite carotte. Champ de blé, champ de carottes. Ouais. Tac. Comme ça. Et donne des graines aussi. Si je fais démolir, qu'est-ce qui devient des carottes? On va essayer. Et tout de suite. Voilà. Parce que ça fait pas de graines si tu leur demandes pas de faire des graines, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui fait que... les étagères se montent, c'est cool. Très bien. Là, je pourrais mettre des bibliothèques dans une grange. Ou alors je fais les bibliothèques là. Dans une maison. C'est la maison du bibliothécaire. Ouais, on va faire ça. Alors, étagère. On va pas prendre la murale parce que j'arrive jamais à la poser. Donc. On va faire ça comme ça. Et ça le fait pour une bibliothèque. Du coup, quand les bibliothèques seront faites, on mettra les livres ici. Et il faudra donner l'ordre de les enlever d'ici. Ah, arriver à viser. Oh, toute la zone. Ah, j'y arrive plus. Si. Ah. J'y arrive, puis je la perds. Comme ça. Voilà, du coup, les livres, on va les enlever d'ici. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, du bois, toujours du bois. Hein. Alors que je fais pousser des arbres. J'ai l'impression que ouais, ils sont trop jeunes certainement. Le chat dans la grange. Hein. Ah, une chaise qui n'a pas encore été faite. C'est pas grave. Oulala, là là, on en est où des recherches? Non, c'est ça, comme ça que je me déplace. Ah, je peux. Ah, voilà, ça commence à ranger correctement. Donc, du coup, dans les étagères, c'est quoi? Nourriture, matériaux, graines, médecine. Alors les matériaux, je trouve ça bizarre, mais bon, pourquoi pas.
Là, c'est bon. Quoi? Les animaux ont faim. Bah, il y a à manger. Ce qu'ils racontent. T'as récolté les carottes ou pas? J'ai des graines de carottes ou pas? Ragoût, non, les carottes, c'est où? Graines d'herbe potagère, graines de lin. Le problème, c'est que j'ai récolté les carottes. Mais j'ai plus de graines de carottes. Ah! Ben, on va attendre un marchand alors. Ah, j'aurais dû acheter des graines de carottes. Plus de graines de carottes. J'ai fait quoi? 3, 6, 7, 21. Il faudrait 21 graines de carottes, quoi. C'est beaucoup. Bien. Tagère déjà. Qui se construit. Voilà. Alors le renard dans la grange, c'est moyen. Alors Marie est dans le... Eh bien, ben c'est bien parti tout ça. On va se dire à bientôt. À bientôt. Et merci pour vos commentaires et vos j'aime, tout ça, les abos. N'hésitez pas à partager aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis au prochain épisode.